Salut à toi, jeune aventurier. Bienvenue chez Adventure Outlander. La vidéo d'aujourd'hui nous permet d'introduire notre choix de véhicule. Nous allons t'exposer le cheminement qu'a mené Owen à prendre un quad plutôt qu'un véhicule plus traditionnel, tel un 4x4, une moto ou bien encore un van. Je vais t'exposer sa réflexion et les raisons dont a découlé ses choix. Premier point, la fiabilité. Il nous était indispensable d'avoir une machine légère dont le poids à vide ne dépasserait pas la tonne, mais ayant quand même suffisamment de puissance pour nous emmener partout. Une machine aussi qui soit facile à réparer, avec une mécanique accessible et non contraignante, à l'image d'une moto. Second point, la sécurité. En moto type trail, les chutes sont fréquentes et normales au vu de la façon dont on pilote ces véhicules. Mais en revanche, cela reste un événement exceptionnel en quad. Et encore plus en buggy. Ces derniers ont l'avantage d'avoir des arceaux de protection, de grands tubes en acier ou en aluminium qui entourent l'habitacle, offrant une protection et une sécurité maximale à ses passagers. Cependant, n'oublions pas que le risque zéro n'existe pas. Au vu des informations évoquées ci-dessus, on peut se dire que le buggy est donc le candidat idéal pour notre projet. Mais là encore, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Premièrement, le prix. Là où un quad neuf vaut entre 15 et 20 000 euros, il nous faut facilement doubler le prix pour un buggy, compris entre 20 et 40 000 euros. Et même sur le marché de l'occasion vers lequel nous allons nous tourner, cette différence continue à se faire ressentir. Et deuxièmement, par choix personnel, tout simplement. Pour avoir testé les deux, la préférence d'Owen va directement vers les quads. Donc son choix a été de partir sur un quad. Je l'ai donc aidé dans ses recherches pour trouver le quad qui lui conviendrait au niveau du pilotage, tout en convenant pour des road trips dans le monde entier. Nous pouvions donc éliminer de la liste les quads ultra sportifs, dépourvus de 4 roues motrices et de suspensions indépendantes à chaque roue. Ce sont de très bonnes machines, mais pas adaptées au franchissement ni à la bagagerie. Il nous restait donc la gamme des baroudeurs. Pour commencer, nous avons donc pensé à prendre un quad de la marque Kymco. Mais nous nous sommes aperçus que même le plus haut de gamme de la marque n'avait pas assez de puissance pour le désigner de véritablement sportif. Nous sommes donc allés voir du côté de Yamaha, de bonnes machines avec des moteurs fiables. Mais gros bémol, il n'existe qu'en monoplace. Donc en cas de problème sur ma machine, Owen ne serait pas en capacité de pouvoir me transporter. Alors naturellement, il ne restait qu'une marque pouvant répondre à nos exigences. Une marque canadienne qui est bien connue des amateurs de off-road. Et cette marque est BRP. Nous avons donc trouvé chez cette marque le Can-Am 650 Max XTP. Qui était la machine qui répondrait le plus à nos critères, et à ceux d'Owen surtout. Pendant plusieurs mois, nous avons cherché la meilleure opportunité d'occasion, jusqu'à trouver un modèle de 2016, d'un très beau coloris orange. En conclusion, c'est une machine qui mettra Owen en confiance pour voyager. Elle va être un véritable atout dans des conditions difficiles, voire extrêmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as apprécié, n'hésite pas à mettre un commentaire, un like et à t'abonner. Et je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À très vite !